c'est Zouavix, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu DayZ Standalone. Alors, sur cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'étais absent pendant un mois et demi et l'avenir de la chaîne. Alors, tout d'abord, pourquoi j'étais absent pendant un mois? Alors, j'avais fait une vidéo sur DayZ Standalone justement. Et sur cette vidéo, j'avais mis ma tête. Et en fait, mes parents... Parce que je vis, oui, je vis chez mes parents, c'est logique. M'avait prévenu que je devais pas faire de vidéo en montrant ma tête parce que voilà, voilà pour garder mon anonymat, ouais, ça se dit comme ça. Et du coup, j'ai préféré ne pas le faire, ne pas la mettre sur YouTube cette vidéo. Et bah j'ai bien fait, je vais dire. J'en ferai une peut-être quand j'aurai mes 16 ans, mais c'est pas avant longtemps ça. Bref, du coup j'ai pas voulu la mettre. Et on va dire que... comment dire ça? Ah oui, voilà. En fait j'ai hésité avant de la mettre. J'ai pris au moins allez, 20 jours pour hésiter. Du coup j'ai dit allez non je le fais pas, etc. Mais voilà. Et après, ben, en fait, j'avais pas trop l'opportunité de faire des vidéos. Car je vis avec mon frère aussi dans la même chambre. Et du coup, ben, voilà, c'est le grand frère. Je peux pas trop faire de vidéos à cause de lui. C'est pour ça que des fois, je fais des temps d'absence. Désolé d'ailleurs. C'est pour ça, à chaque fois, genre, je finis à 15h ou moins, etc. Et que mon frère, il est pas là, j'en profite à max pour faire une vidéo. Attends. Yo! T'es français? Ouais, je suis français. Ok, tu as du stuff ou je sais pas? Là pour l'instant, si tu veux, j'ai. Il y a un type qui m'a demandé un ami sur Steam et je vais le rejoindre. Ok. Si tu veux venir. Bah vas-y, je veux bien. Je redescends, il est à l'aéroport là, sur la côte. Ouais, mais tu sais à peu près c'est où? Balota. Ok, ben vas-y, ben je te suis alors. Vas-y. Oh, on s'est trouvé un ami. J'ai pas d'amis. Non, ça va, c'est sympa quand même, DayZ. Tu peux te faire des amis comme tu peux te faire des ennemis. C'est... Voilà. C'est un genre de pile ou face. Et du coup, là, on va aller à Balota, il m'a dit, et on va rejoindre son ami. Et du coup, bah, c'est parfait, on sera à 3. Une aventure à 3, c'est pas mal. Waouh. Et bah, ça commence bien cet épisode. Enfin, cet épisode, cette vidéo. Oui, donc, pour l'avenir de ma chaîne. Alors, je vais consacrer spécialement ma chaîne pour. C'est Kabutox. Ok. Pas sur DayZ, mais sur Steam, c'est Zoavix. Si tu veux, je te l'écris. On va jouer un peu ensemble et on verra bien. Après moi c'est Poulpose. Sur Steam c'est pareil. Ok. Ben, je t'ajouterai après. Ouais, je disais. Ma chaîne sera consacrée quasiment, je dis bien quasiment, aux jeux survie, c'est-à-dire Rust, DayZ, Standalone, pourquoi pas du Minecraft. Le nouveau jeu là qui va sortir dans pas longtemps, que même il y a des dinosaures, je pense que c'est The Stomping Land ou The Forest, je m'en souviens plus trop. Après, il y a quoi que je pourrais faire? Bah, tous les jeux qui consistent à faire du survie, c'est-à-dire récolter des choses, faire sa vie, etc. Par exemple, pas obligé que ça soit du zombie. Hein. Rust, là, ils ont enlevé les zombies et j'y joue encore. Même, je vais faire beaucoup de vidéos. Et surtout que là, je me suis réconcilié avec un pote, et lui qui jouait beaucoup. On est en train de se faire une base sur Rust et je compte vous la montrer pour bientôt. Et après, quand j'aurai la voix muée, c'est-à-dire... Allez, non. Je dis ça, hein, c'est une approximativation, voilà. Oui, ça existe comme mot, je dirais dans 6 mois. Et ben, je pense que je vais faire des streams, des lives sur Twitch ou d'autres plateformes de stream. Et voilà.
Et donc voilà, bah c'est bon, je vous ai tout raconté. Hop. Bon, j'espère que c'est pas trop loin, Balota, parce que là je suis à bout de faim et de soif. Il court trop, le mec il sait pas que s'il court trop, il va perdre de la nourriture, et ça c'est pas bien du tout. Bon, bah pour DayZ Standalone, je vous invite à regarder des vidéos de présentation, parce que là c'est juste un épisode comme ça, où j'y joue. C'est pas une vidéo de présentation. J'essaierai de vous présenter un peu au fil de l'épisode, mais c'est pas vraiment une vidéo de présentation. Donc voilà. Donc ouais, voilà. On commence avec un perso comme ça, genre, bah il est quand même habillé, hein, il est pas à poil. Mais voilà, on a rien du tout à part une lampe, comme vous voyez ici, un t-shirt, des baskets et un pantalon. Les pantalons et enfin tout ce qui concerne genre les habits, vous pouvez y mettre des trucs selon les habits. Par exemple, regardez là dans mon pantalon, il y a quatre cases. Les quatre cases là servent à mettre des items. Et en fait, ça c'est très réaliste, je trouve, car enfin il y a des trucs réalistes, vous allez voir, et des trucs pas du tout, mais alors du tout réaliste. Donc après, ouais, je disais, par exemple le jean là, mon jean il a quatre cases, donc je peux y mettre par exemple, hop. Inspect, non, c'est pas ça. Voilà, là par exemple, là j'ai une batterie. Quand tu trouves des batteries partout dans la map, tu la glisses dans la lampe torche et hop, je pense que c'est ça. Voilà, t'as une lampe torche avec une batterie, tout simple. Et après, il y a plein d'autres choses comme ça. Par exemple, je pense que c'est avec les chargeurs et du scotch, je peux les scotcher entre eux pour faire un chargeur à grande capacité. Et donc voilà, il y a plein de trucs comme ça et c'est super sympa, je trouve. Oh. Là, on va un peu looter la maison pour voir ce qu'il y a. Parce que je pense qu'on crève de faim. Oh, on peut pas. Ah, voilà. Merde. Hop, voilà, là j'ai trouvé des chaussures. Donc c'est écrit Pristine. Pristine, c'est genre le niveau. Oh. T'as dit quoi? Ressortir. Ok. Par contre, après, évite de courir parce que ça consomme beaucoup d'énergie et du coup, on va vite crever de faim. Ça fait longtemps qu'il joue? Ouais, un mois à peu près. Et toi? T'as joué au mois d'avant? Moi je joue Deuxième au mois mode. d'avant donc Ouais, j'y ai joué. Ah, on va trouver à bouffer, t'inquiète. J'espère bien, parce que là, mon estomac, il grogne. Ou alors on va se faire descendre. Ouais, aussi. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Moi, en fait, quand quelqu'un il me dit quelque chose et que je comprends pas, je dis ah, ok. Ou genre, je rigole. Ou... C'est la technique la plus infaillible pour pas que le mec il vous Plus prend jeune pour un aussi. con. Bon, ouais, je suis assez jeune, j'ai 14 ans. Ah ouais, ok. Pourquoi t'as quel âge? Moi j'avais 24. Ah, ouais, quand même. Le mec il a 10 ans de différence, quoi. Impressionnant tout ça. Ouais, sinon la qualité graphique là je l'ai mis en faible parce que ma config ne le permet pas de le mettre en ultra ou autre, et j'ai préféré passer avant tout la qualité de la vidéo parce que sinon j'atteignais les 20 FPS et là ça va, j'atteins les 30 FPS, que la qualité du jeu, parce que si je vous l'aurais mis en ultra, ben vous aurez 10 FPS même pas quand je filme. Par contre, quand je filme pas, j'ai quand même assez d'FPS, ne vous inquiétez pas. Mais c'est que quand quand je filme. D'ailleurs, je vais m'acheter bientôt une config exprès pour ça. Donc, ça sera à base de i7, de GTX 780. Donc là, et ben, ça va raccourcir, comme on dit. Donc, voilà. Pour l'avenir de la chaîne, je vous ai déjà expliqué tout ça. DayZ, ça reprend la map de Tchernarus. Bon, bah, il y ajoute encore des trucs, hein, vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'il est en DayZ Standalone. Mais je vous conseille pas de l'acheter.
Si vous êtes un fan, je vous conseille de l'acheter. Mais si vous n'en êtes pas, que ça sera votre premier DayZ, je vous conseille pas parce que tout simplement, il est en alpha. C'est-à-dire en alpha. Comment dire? Si vous l'achetez, c'est juste pour aider les développeurs à l'améliorer. Parce que en alpha, enfin non, en version finale, il est même pas prévu pour fin 2015. Donc imaginez le truc. Ou non, fin 2014, je m'en souviens plus. Donc imaginez le truc, c'est impressionnant quand même. Ça veut dire que là c'est juste le début. Alors la version finale, ça sera un truc de malade. C'est comme Minecraft. Minecraft Alpha, il était duré en. Bah pour la version complète, il a fallu plus 3 ans, je crois. Ouais, quasiment. 3 ans pour que de passer à la alpha, à la complète. Donc vous imaginez le truc, c'est incroyable. Plus c'est un jeu indépendant, comme Minecraft. Voilà, c'est tout. Après, voilà. Enfin, il n'y a pas trop de bugs. Enfin, on va dire qu'il y en a, ok. Mais pas comme vous imaginez, genre, vous vous téléportez ou je sais pas. Pourquoi il s'arrête, le mec? Pourquoi tu t'es arrêté? Moshi Attends une seconde. moshi? Ok. Je pense que le mec il est belge. Je sais pas, je reconnais un petit accent de belge. Dédicace aux belges d'ailleurs. Enfin, si les belges, si des belges regardent ma vidéo et que c'est pas du tout cet accent, permettez-moi de me pendre, merci. Bah alors je pense plutôt que si c'est pas un belge, un suisse ou un canadien. Ouais, un canadien. Ça paraît plutôt logique. Ouais. Bon bah on va attendre. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, on accélère. Ok. Pourquoi il fait ça? On s'accroupit sûrement qu'il y a des ennemis ou des joueurs qui veulent faire du PvP. Sauf que nous, on n'a pas de stuff. Du coup, ça va être très très chaud. Vu qu'on vient de débuter. Et d'ailleurs, faudrait un maximum de bouffe, etc. si on veut survivre plus longtemps et arriver à Balotin sain et sauf. J'espère qu'il va s'arrêter pour prendre la bouffe. Et là, pourquoi il s'est encore arrêté? Je me demande qu'est-ce qu'il fait. Sûrement qu'il regarde. Ah oui! Je pense qu'il regarde la map de DayZ. Ouais. Ouais, je pense. C'était quoi ces bruits-là? Bon mec. Attends, ben, je vais looter les maisons pendant ce temps-là. Peut-être on trouvera de la bouffe. Non, rien ici. On revient. Oh merde. Merde, je l'ai où? Mec, t'es là? Ah ouais, Bon bah ok. là, plus qu'un. Fais gaffe, parce que là je viens de voir un zombie. Il est derrière toi, il est derrière toi, cours! Je pense que il sait ce qu'il fait parce qu'il s'y connaît assez. Donc je pense que c'est bon. J'ai pas à m'inquiéter. Voilà, vous pouvez être. Ah! Chose que
que je ne vous ai pas dit, voilà. En fait, quand vous ramassez des vêtements, j'ai ramassé un petit vêtement, voilà. Et ben, vous pouvez le transformer en bandage. Si vous saignez, ben voilà, vous faites. Regarde, c'est un marteau. Ah! Cours, cours, cours. Vite, cours. Va te faire un bandage avec ton t-shirt. Ouais. Wow, il passe à travers les murs, lui. Voilà. C'est bon, normalement, il m'a mort. Ah, voilà. Vous faites tear into rag. Voilà, vous avez des bandages et hop, use. Voilà. J'arrive, j'arrive. Je me faisais des bandages, voilà. Je te rejoins. Ouais, enfin, les armes c'est assez rare donc je pense pas. Au moins une hache, ça serait pas mal. Tu m'entends là? Ok. Demi-tour, on a tout Ok. droit. J'espère qu'il nous a lâché le zombie. Comment? Non, il est là-bas. Non, il s'est arrêté. On va passer par la colline. Tu m'entends là? Ok, c'est bon. Désolé si j'ai pas parlé parce qu'en fait j'avais activé la le haut-parleur automatique et du coup ben le mec il allait m'entendre si je parle. Et c'est assez gênant en fait. Badly damaged. Ok, ça c'est on va dire de la nourriture, ouais. Et quand c'est écrit badly damaged, ne le prenez pas car vous allez tomber malade. Faut que ça soit écrit soit worn ou soit pristine. Si vous voulez de la bouffe saine et équilibrée. Non, je rigole. C'est juste pour pas crever en fait. Parce que, en fait, moi j'avais plein de stuff. À la fin, j'ai mangé un genre de nourriture où c'était écrit badly damaged et bing, j'étais mort. Oh merde, le mec, je l'ai perdu. Oh, bref. Pas grave. Je vais aller visiter ici. Voilà. Y a rien ici. Par contre, le mec, je l'ai encore perdu, putain. Ah, il est là. Viens là, il y a un puits déjà. Ah, ok, super. Ouais, ok, les puits en fait, vous pouvez boire à l'intérieur, mais on va dire que l'eau elle est pas trop bonne, du coup, à éviter. C'est tout. Mais quand vous crevez vraiment de soif, à éviter. Enfin, vous prenez-le, mais voilà quoi. Moi, je prends les bottes comme ça. Elles sont stylées quand même.
Ah, le mec a trouvé une arme. Alors, Ah, le pote. Attends, il comprend le russe là? Non. C'est pas possible. Non, il a trouvé une botte. Moi, j'ai rien du tout. Bordel. Bordel, le mec. Attends, il me faut de la bouffe à tout prix. Sinon, je... Ok. Sinon, je suis dans la merde. Je vais crever comme une merde. Comme une larve, un lamasticot. En rut. Allez, s'il te plaît, de la bouffe un tout petit peu. J'avais de la bouffe. Ah! Par contre, le mec, il est parti où? Ah, il est là-bas. Super le mec. Putain, vivement qu'ils mettent les véhicules parce que dans ce DayZ Standalone en alpha, bien sûr, ils n'ont pas encore mis les véhicules. J'ai qu'une chose. Je bafouille. J'ai qu'une seule chose à dire. J'ai envie qu'ils mettent les véhicules au plus vite. Parce que c'est vachement très 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 chiant même de faire toute la route à pied. C'est très très chiant et long. Alors que quand on avait les véhicules, bon, ça prenait, allez, 15 minutes maxi pour traverser la map. Bon, allez, 15 minutes, je suis quand même gentil. 40 minutes, allez. Mais bon, c'était déjà carrément plus vite de la traverser à pied. Hein. Parce que là, je pense qu'il y a environ 300 km. Je pense. Eh, mais là, on est où en fait? Je connais pas du tout ce coin de la map. Je vois de l'eau, ouais. Comme tout le monde d'ailleurs. Mais. Ouais, mais je sais pas du tout, mais alors, du tout où on se trouve. Faudrait que je me trouve une map. Parce que la dernière fois, je me suis trouvé une map, mais vu qu'elle était en badly damaged, et eh ben je pouvais pas l'ouvrir, ou du moins la lire. Et ça, c'était très chiant en fait. Mais quand tu vois les mecs avec des M4 et tout, je me demande, mais comment ils font? C'est vrai, moi, j'aurais même pas trouvé une Rotten Apple ou autre, je sais pas, non, mais sérieux. Comment ils font? Je voudrais bien savoir. Ils utilisent un cheat, je sais pas. My stomach. Ah, je pense que je vais crever à cause de ça. Parce qu'en fait, vous avez différentes stats. Genre, I feel hungry, ça veut dire j'ai faim. Etc. etc. My stomach crumble, ça veut dire j'ai mon ventre il gargouille. Et ainsi de suite. Et quand ça devient rouge, bah là, c'est vraiment qu'il faut aller chercher de la nourriture. Sinon, vous allez crever. Tout cas, j'espère que je vous ai appris un minimum de choses sur DayZ, que je vous en donnerai l'envie d'y jouer. Et voilà. Ne vous inquiétez pas, la vidéo n'est pas finie. Restez! Restez! Non, mais sérieux, mais en fait, on s'ennuie vite avec lui. C'est très, très, très chiant, même. J'espère vite arriver à Pruska pour rencontrer l'autre mec, parce que d'après lui, un mec l'attendait. Là, par contre, chut, ne parle plus. Qu'on va rentrer dans l'électro. Ok. Là, ça va tirer dans tous les sens, à mon avis. Ouais, je pense aussi. Oula, électro, alors c'est l'endroit le plus chaud de la Terre entière, enfin de DayZ. Et si tu te pointes un seul sourcil là-bas, bon, on va dire que t'es juste décapité, égorgé, etc. Parce que les mecs, en fait, là-bas, à Electro, c'est genre LA zone pour le PVP. Donc, ne pointe même pas ton nez là-bas. Parce que sinon, tu vas crever en 2 secondes si t'es pas équipé. Et même si t'es équipé, il y aura des snipers pour, genre, te... Tu vas te viser comme ça, là.
Non mais sérieux, c'est Elcro, c'est vraiment la ville à faire gaffe. Et au fait, désolé pour la qualité du micro parce qu'en fait j'ai changé de casque entre temps. Qu'est-ce qu'il est en train de faire le mec? J'ai changé de casque entre temps et là j'ai un Siberia et la qualité du micro. Voilà quoi, c'est pas trop ça. Par contre, la qualité du son aussi, là j'avoue, voilà, elle est parfaite. Oh, un petit sac d'écolier. Je vais m'en prendre un petit. Y a un sac si tu veux ici. Oh le bâtard. Pourquoi moi je me tape les Bon sacs bah de. tiens, marche. Ok, merci, j'apprends. Pourquoi moi je me tape le sac d'écolier et lui un bon sac. Je suis dégoûté, regardez. Moi c'est un sac de maternelle. Et lui, je parie, il y a un sac Quechua. Oh, c'est quoi cette inégalité? Bon bah y a rien. Bon ça va, on est un peu équipé quand même. Ouais. Bon, en fait, c'est déjà bien qu'on est à deux parce que mieux vaut être en équipe que tout seul. Regardez là, le mec, sans lui, j'aurais pas pu trouver la batte de baseball. Tellement que je suis un aveugle. Ah, j'ai cru que c'était un mec maintenant. Tellement que je suis un aveugle, sérieux. Comment il a fait son coup? Je la connaissais pas la cachette là, petite coquine. Ah le bâtard. Faut que j'aille le courser. Eh mais il sait pas que je vais crever de faim ou quoi? Moi j'ai faim, j'ai soif, j'ai tout ce que tu veux, bordel. Je vais bientôt tomber malade même. Donc passe à moi, passe à tes coéquipiers. Mon Dieu, une pipe. Oui, je parle comme mon grand-père et alors. Merde. Oh non. Pourquoi j'ai plus de quoi? Ah non, il est là-bas. Putain, je lag. Oula, oui, je la connais bien cette usine. Elle était dans le DayZ mode. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de trucs. Mais faut faire gaffe parce que c'est très très proche d'Electro. Hop, on fait un petit zoom. Electro, c'est juste là-bas, là. Là-bas. Et là, c'est la petite usine que sûrement qu'on a envie d'y aller, mais fait. On va faire gaffe parce qu'il y a des zombies. Donc, ouais, juste là-bas. Voilà. Alors, mec. Tu branles quoi, putain? Ouais, je pense arriver à l'usine, je pense que je vais le quitter, on va se laisser là. Hein. T'es un fou, t'es pas un fou. I'm fou. Non, t'es un fou ou pas? Ouais. On y va? Prépare ta batte de baseball. Pas besoin. Parce qu'Electro c'est vraiment tendu et on est des malades. Let's go, bitch. Allez, est-ce qu'on est des bonhommes ou pas des bonhommes? On est des carus. Allez, 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 hop, 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 hop. On ouvre les portières. Tic, tic. Ok, on go, let's go. Let's go, son of a bitch. Oh, des. Ah oh, oui, j'ai oublié de vous expliquer. On peut monter des gens tels des. Genre des prises d'otages. Et ça se fera. Parfait. Black. Oh. Oh. Oh oui. Oh, just like this. Il est où parti? Il est parti où le mec? Attends, ça c'est quoi ça? Un jean? Ouais, non. Ce que non. Oh oui, une canette de thon. Je me la prends, mec. Désolé. Hop.
Mec, il y a des clés, ça sert à quoi? C'est pour les menottes. Ok, bah je les prends vu que j'ai des monettes. Je vais manger. Hop. Attends, est-ce qu'il y a en bas de l'île? Oh, par. Oh non! Ah, oh, j'ai oublié ce petit point réalistique qui fait vachement chier. En fait, si vous voulez pour ouvrir la genre de boîte là, boîte de conserve, il faut. Oh putain, c'est quoi ça? C'était quoi ça? Si c'est des zombies. Oh merde. Fais gaffe, y a un zombie. Fais gaffe. Moi, je prends ma petite batte de baseball. Oui, pour ouvrir les boîtes de conserve, il faut un minimum un truc tranchant. Du genre un tournevis ou autre. Tout ce qui est tranchant, à part genre les clés. Oh putain. T'es où en fait? Là, je suis en bas. Ok, comment t'as fait pour descendre? Parce que moi, il y a un zombie qui m'attend en fait en bas. On est perdu, le zombie, il est plus. Ok. Ok, bah je vais descendre. J'espère qu'il n'y a pas une D5. Parce que quand il y a le petit truc rouge, ça veut dire qu'on a plus de coups. Ok. On va remonter sur la colline. Ok. Ok? Ok. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pu manger un. Ah non, même pas. J'ai oublié. Ça serait parfait si j'aurais trouvé un petit tournevis, par contre. Pff, dommage. Dommage, dommage. Je vais crever de faim. Voilà. C'est ça ma destinée. Attends. Regarde, ça c'est en fait pour faire de la torche, on est d'accord qu'il faut ça, une flashlight. Et du coup, ça t'enlève tes mains. Alors que si t'as justement le 8 torche là que j'ai là, et ben ça va te permettre d'avoir une arme plus de la lumière. Mais ça c'est qu'en nuit, parce qu'il y a la nuit et le jour. Et ça c'est assez super. J'ai fait une belle pioche, on va dire, vu qu'elle est en pristine. Donc c'est parfait, parfait. Putain, par contre, j'ai crevé de faim, mais comme une merde. Attends, j'ai rangé ma batte. Non, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait là quand il fait ça. Alors mec, tu fais quoi? Allez! Il y a un autre type qui va arriver, ne te jette pas dessus. Ok, il va nous rejoindre d'ici. Il va Ok. nous rejoindre. Mais fais gaffe quand même parce que je le connais pas. Ah, ok, ben reste quand même sur tes gardes. Hein. Bon après c'est pas très grave, avec un sac à dos et un pied de biche, je serais pas dégoûté de mourir. Ouais, t'as raison. Bon lui il va arriver d'en face, du haut niveau de la chute. Bon, faut que je vous explique un truc. Si vous voulez jouer à DayZ, faut vous mettre en tête que si vous mourrez, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Sinon, ça va vous dégoûter DayZ parce que
La plupart des gens qui jouent à des jeux de survie, quand ils meurent, ils font « Oh non, merde, vas-y, j'ai déjà sale ce jeu. » Alors que dans DayZ, faut comprendre dans sa tête qu'il faut pas avoir ce genre de mentalité. Dites-vous que vous allez vous refaire ce stuff en rien de temps. Alors que, voilà. Attends, what, c'est quoi ça? Et du coup, voilà, par exemple, là, j'ai du stuff, ok, j'ai des menottes, etc. Certes, je vais être dégoûté au fond de moi que j'ai perdu, ok. Mais c'est bon, c'est rien d'autre qu'un jeu. C'est pas comme si on vous a. Par contre, là, si vraiment dans la vraie vie on vous avait enlevé un truc ou quoi, ouais, là. Ok, mais là, c'est un jeu, quoi. Vous pouvez vous le refaire en rien de temps. Regardez, en 10 minutes, on s'est fait ça, quoi. C'est rien du tout. Et pareil pour. Pourquoi j'entendais pas? Ah oui, c'est là-bas. Pareil pour la M4. Me tire pas. Yo. Oh. Comment on Salut. salue? Il y a des petits gestes comme ça, il y a même le fuck, oui, il y a le fuck. Attendez, c'est quand il se retourne, je fais fuck. Attends, allez, retourne-toi. T'essayes le micro? Il Non, sent. je t'entends pas. Attends, c'est ça le fuck? Oh merde. Je fais fuck. Attends. Parce que le fuck ça veut aussi dire un truc d'ennemi, je pense. Ah non, lui c'est pointe. Tu pointes. Je pointe pas. Ah, il est Non, trop loin ton micro. je suis pas la fouine. J'use personne. J'use personne. J'use personne. Excellent. Je sais pas. Rien ne tape pas Bon. sur mage. Je vous laisse les gens. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais refaire un épisode D'accord. juste pour la suite, justement. Un épisode 2, enfin, une deuxième vidéo. Je préfère l'appeler une deuxième vidéo parce que c'est pas un épisode. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un like, un j'aime. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez, surtout partagez à vos amis, s'il vous plaît. Ça me Non, c'est pas permet faux. d'être connaître et accroître mon public. Je vous remercie d'avance pour Non, ceci. on te connaît pas, Nirik. Et donc, je vous dis Je à la croisais toi prochaine. sur la route. Bye Bonne tout le monde. soirée à toi.